السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Je me présente, M. Saïd Oudi Hassan, président de l'association sociale Ijouan, Sidi Ali Moussalama Alpha, Izi Ouzou, ainsi que nous sommes de l'Ukifat Sahara, à la service de traumatologie de l'Ukifatas, Sini Barik Arbin, à l'Ijiz de l'Ambassade Kharou Sha'Allah Ta'ala. Je suis le professeur Slimani. On est dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique. Bon, donc j'exerce. Donc maintenant, ça devient rituel. Depuis plusieurs années, le CHU Tizi Ouzou organise des journées de circoncision pour enfants nécessiteux, ou bien même si ça n'est pas nécessiteux. Donc le service de traumatologie participe d'une façon active à cet événement. Cette fois-ci, donc on ne fait pas exception. Donc on a reçu une quarantaine d'enfants provenant de deux associations au service de au bloc de traumatologie. Donc les circoncisions sont en train de se dérouler en ce moment. On a commencé à 8h30. On est maintenant au 35e enfant. Les circoncisions, donc l'acte se déroule de façon correcte. Donc on a vu les enfants avant qu'ils soient admis au bloc pour la circoncision. Ils ont été vus avec leur bilan par les médecins réanimateurs pour déceler une éventuelle contre-indication bien pathologique qui contre-indique l'acte chirurgical. Puis ils sont admis au bloc. À leur sortie, on leur donne une petite ordonnance pour des soins locaux. Voilà, la journée bientôt va prendre la fin, tout le monde est content, les enfants sont contents, les parents aussi sont très contents. Moi je tiens à remercier le personnel du service, c'est tout le monde qui a contribué à la réussite. Nous tenons aussi à remercier la direction du CHU qui a mis les moyens nécessaires pour le déroulement pour la réussite et le déroulement de ce de cet événement. Je vous remercie. Comme le professeur Slimani Touré Diadar, chaque année, le CHU Tizi Ouzou organise une caravane de circoncision pour les nécessiteux. Et comme chaque année, le service de traumato, 5 journées, dans 2 jours, comme cette année, 5 journées, 140 enfants. Pour l'instant, dont le technique là, ils veulent pour le chèque par le courrier. Les midis, c'est un âge normalement en Sibik. Je remercie tout le personnel de traumato qui sont mobilisés depuis la matinée, dont les chirurgiens, les infirmiers et y compris les agents de service. Je remercie l'administration du CHU qui a mis à notre disposition tout le matériel nécessaire. Et Saha Ramadan Noun, Saha Daïdou.